Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes du Mardi Saint, lus par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Potor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur. Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 21 à 33, 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit,
« Seigneur, qui est-ce ?» Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? » Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier, nous avions médité sur le premier chant du serviteur de Dieu, qui nous rassurait de la fidélité de Dieu envers ses élus, ou ses serviteurs que nous sommes. Aujourd'hui, Isaïe, dans la première lecture, nous présente son deuxième chant du serviteur de Dieu. Selon ce deuxième chant, Dieu établit son serviteur Jésus comme la lumière des peuples, afin qu'il porte son salut jusqu'aux extrémités du monde. En d'autres termes, si Dieu nous a choisis et nous est resté fidèles, c'est pour que nous puissions témoigner de son amour et fidélité dans le monde, afin de ramener vers lui les brebis égarées en vue de leur salut. Ne pas témoigner de la fidélité du Seigneur serait comparable à une trahison. Judas, comme nous le dit l'évangile de ce jour, a trahi la fidélité et l'amour de Dieu. Lui qui a été élu, choisi et aimé par le Christ. Jésus a tout fait pour faire renoncer Judas à sa trahison. Mais hélas, il a endurci son cœur. L'évangile nous dit que Jésus a même trempé une bouchée qu'il donna à Judas pour lui signaler qu'il connaît ses mauvaises intentions afin de le stopper à aller au bout de son plan. Mais Judas n'a pas saisi cette occasion pour se convertir. L'endurcissement de son cœur a donné l'occasion à Satan de se servir de lui sans tarder. Chers frères et sœurs, devons-nous juger Judas? Non, pas si vite.
On dit bien que celui qui n'a pas encore franchi l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Nous sommes tous des êtres faibles, donc il nous faut de l'humilité en ce sens. Voilà ce que Pierre n'avait pas aussi compris. Pierre pensait qu'il était si fort, qu'il ne pouvait pas succomber. Mais Jésus lui a rappelé qu'il le renierait trois fois. Et nous connaissons tous la suite de cette prédiction de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, deux messages importants à dégager des thèses de ce jour. Le premier message est ceci. De la même manière Dieu a choisi Judas, Pierre et les autres disciples, il nous a aussi choisis avec nos faiblesses. Ainsi, témoigner de la fidélité du Christ et devenir la lumière du monde, comme Jésus, dans le deuxième chant du serviteur, ne consiste pas à devenir des saints sur terre, mais consiste simplement à essayer. Et si, dans notre effort, nous succombons, rassurons-nous que Dieu trouvera toujours des moyens pour nous relever. Cependant, il faudrait saisir de ces occasions que Dieu nous accorde le plus tôt possible, de peur que Satan ne vienne nous paralyser au sol. Le deuxième message est ceci. Ne disons jamais, jamais au mal, sans faire recours à la grâce de Dieu, car nous sommes faibles et la tentation du diable est assez grande. Mais Dieu nous rassure que sa grâce nous suffit pour sortir victorieux du combat avec l'esprit mauvais. Et le psalmiste aussi nous le certifie en disant « Sans fin, Seigneur, je proclamerai ta victoire et ton salut. » Oui, chers amis, nous dépendons tous de la grâce de Dieu. Ainsi, ne jugeons pas les autres dans leur faiblesse quand ils s'éloignent de cette grâce, car il pourrait nous arriver pire. Que le Seigneur nous aide à saisir les occasions de grâce qu'il nous accorde, afin de nous convertir et revenir vers lui sans tarder, pour que le démon ne prenne pas possession de nous. Qu'il nous aide aussi à témoigner de son amour dans l'humilité, sans orgueil ni jugement, et ramener à lui les brebis égarées. Ainsi, nous aurions accompli notre mission, telle que Isaïe nous la présente dans son deuxième chant du serviteur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.